L'étape marathon de ce Dakar 2017, quelque peu raccourci, n'a pas été le théâtre de grandes manœuvres. En quad, les trois premiers du général se tiennent en 10 minutes. Le russe Karyakin sur Yamaha mène la flotte. En camion, changement de leader, De Roy s'est effacé au profit de Sotnikov sur Kamaz. Mais là encore, les écarts sont très faibles. Bien malin, qui peut donner le nom du futur lauréat de ce Dakar 2017 dans ces deux catégories. . 25 concurrents au départ lundi de l'étape marathon qui conduira sur deux jours et sans assistance les pilotes jusqu'à Salta. Un retour en Argentine que rêve de connaître Gustavo Gallego, mais le deuxième de la sixième étape est en galère. C'est un problème électrique, j'ai une coupure, mais je n'arrive pas à savoir d'où vient le souci. Malgré plusieurs heures passées au chevet de sa Yamaha, GG doit renoncer. Aoyuni, c'est son coéquipier dont le team Raptor qui triomphe. Sergei Karyakin fait d'ailleurs coup double puisqu'il retrouve les commandes du général après avoir relégué Simon Witz à près d'un quart d'heure. Ancien leader, le français ne verra pas lui non plus Buenos Aires. La contagion des ennuis électriques a eu raison de l'engin du néophyte. Deuxième du général est contraint à l'abandon lors de la huitième étape. Mais un Calisien peut en cacher un autre, deuxième la veille et encore troisième à Salta, Axel Guthrie s'empare de la place de dauphin du Russe. Un Russe qui est passé tout près de doubler la mise mardi. C'était sans compter sur le revenant Ignacio Casale. Le Chilien, qui avait connu une fin de première semaine délicate, remporte sa première étape de l'édition 2017 et se replace à la troisième place du général à 10 minutes de Karyakin. Leurs poursuivants sont à plus de 2 heures. Dans la catégorie camion, le duel Iveco-Kamaz n'en finit plus. Les trois premiers se tiennent en moins de 5 minutes au départ de la 7ème étape, le départ de l'étape marathon. Et ce marathon débute par la victoire de Dimitri Sotnikov, le russe sur Kamaz. Il devance à l'arrivée 3 Iveco, dans une étape marquée par des pistes piégeuses pour les camions, des pistes ravagées par l'eau en sous-sol et le passage des autres engins en amont qui les ont rendus plus friables. Au lendemain du premier acte de cette étape marathon, les trois premiers du général De Roy, Sotnikov et Nikolaev se tiennent toujours en 5 minutes et cette 8ème étape vers Salta ne va pas créer d'écart considérable. En effet, les camions sont stoppés après la première partie de la spéciale et près de 250 km parcourus. Direction ensuite Salta par un chemin détourné pour ne pas que les camions arrivent trop tard au bivouac le soir. Résultat, c'est le néerlandais Van den Brick sur Renault Trucks qui s'impose. Vainqueur de la deuxième étape est déjà relégué au fin fond du général suite à un cumul de pénalités de 6 heures en tout. Van den Brick ne tirera que de la gloire de s'imposer pour la deuxième fois cette année. Le néerlandais parvient à résister à l'argentin de retour sur ses terres Federico Villagra. Le pilote Iveco termine à 17 petites secondes. Edouard Nikolaev complète le podium et pointe son Kamaz à 42 secondes du vainqueur du jour. De Roy concède lui plus de 4 minutes sur cette étape à Sotnikov. La conséquence est simple, changement de leader dans la catégorie camion. Sotnikov, qui n'a pas encore fait mieux qu'une 4ème place sur le Dakar, prend les rênes devant son compatriote Edouard Nikolaev, double vainqueur du Dakar. De Roy est 3ème à 2 minutes 20, on retrouve Villagra à près d'une demi-heure. La victoire finale risque de se jouer entre les 3 premiers nommés et le suspense sera au rendez-vous.